Eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Ici le policier de Los Santos qui vous présente aujourd'hui une nouvelle vidéo. Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de McoPolis en mode LSPDFR 0.4. Enfin, ça fait depuis un moment que c'est sorti mais voilà, je suis un petit peu en retard, vous le savez, j'avais plein de vidéos en stock et tout. Donc des vieilles vidéos que j'avais tournées sur LSPD 0.3. Et me voici aujourd'hui en 0.4. Alors pour être très franc avec vous, je sais pas quand cette vidéo sortira, mais pour vous donner une idée, nous sommes aujourd'hui, au moment où je tourne, le 28 mai 2019. Comme ça, vous avez à peu près une idée de quand est-ce que je tourne cette vidéo par rapport à quand elle sortira. Donc sachez que ça fait depuis extrêmement longtemps que j'ai plus joué à GTA V tout court. Voilà, hein, donc même pas seulement à LSPDFR. Ça fait depuis très longtemps. Au niveau des plugins, sachez que y a à peu près les mêmes. Donc voilà, le fait qu'on soit en 0.4 ne change pas grand chose. Alors regardez mon petit uniforme plutôt sympa. Aujourd'hui on va patrouiller. Alors c'est pour changer parce que c'est vrai, il faut un peu varier les plaisirs. Et sinon on risque de se lasser. Ça fait, on n'a jamais patrouillé ici. Regardez, je suis affecté en fait à ce commissariat là. Donc en fait on va tout simplement patrouiller dans toute cette zone à peu près hein. Donc voilà, toute cette zone nous appartient. A savoir qu'habituellement le plus souvent on était affecté à ce commissariat là. Et bien cette fois-ci nous sommes à celui-là. Et donc on verra au fil des épisodes évidemment pour varier et pour changer de commissariat, pour changer de type de police. Et alors pour cet épisode je me suis fait un petit kiff parce que ça fait depuis longtemps que j'ai pas tourné pour ma part un épisode. Je me suis fait un petit kiff, regardez mon petit véhicule. Il a été un peu customisé, on va pas se mentir, avec la petite plaque d'immatriculation qui me va bien. Ouais, je me suis fait un petit kiff, petit aileron, le véhicule est un petit peu boosté. Donc on va se faire plaisir pour les interventions. En tout cas, en parlant d'intervention, on va se mettre available for calls. Et nous sommes partis les amis, merci à tous de suivre cette série. Alors, ça change un petit peu au niveau des sorties des épisodes, faut que je vous en parle. Tant que vous êtes là en ce début de vidéo. Alors voilà, j'aimerais démarrer, ce serait sympa. Sachez les amis que les épisodes dorénavant vont sortir en mode YOLO. C'est-à-dire ça sortira comme j'en ai envie. Alors écoutez, on va prendre à droite et on va patrouiller. Donc ça va sortir comme j'en ai envie. C'est-à-dire que avant, alors déjà je remarque qu'il y a plein de nouveautés, hein, comme on est en 0.4. C'est la nouvelle version de LSPDFR que je découvre. Il y a un mec qui vient de me crier Hassle. Hein. Je pense que vous l'avez entendu, ça veut dire trou du cul hein, pour les non-bilingues. Et ça c'est vraiment, vraiment très dérangeant. J'ai pas kiffé ça, vraiment. Bref, oui, habituellement ça sortait tous les samedis à midi les épisodes de LSPDFR. Mais cette fois-ci ça change, il n'y a plus de date de sortie. Voilà, maintenant c'est vraiment quand j'en ai envie. Donc il se peut très bien qu'il y ait pendant une semaine un épisode tous les deux jours. Comme un épisode toutes les semaines. Comme un épisode toutes les deux semaines. Vous voyez, c'est vraiment à ma guise, je fais vraiment comme bon me semble. Et on va prendre à droite tout simplement. Je suis en tout cas disponible pour les appels. Hop là, hein, je grille la ligne blanche parce que je me suis trompé de direction. Donc on est parti. Et alors c'est vraiment sympa, hein, je kiffe vraiment ce mode. C'est quoi? C'est EUP menu qui permet vraiment d'avoir de pouvoir s'habiller vraiment comme bon nous semble. Et c'est vraiment trop cool. Genre là je me suis mis un petit gilet jaune, enfin pas un gilet jaune, un gilet rétro réfléchissant. Donc ça nous permet d'être bien vu. Donc c'est vraiment cool. En tout cas tout se passe bien pour le moment. Cette voiture devant est un peu bizarre. Ah non, elle vient juste de sortir. Bon, on va se faire des petits contrôles, on va voir un petit peu. Pour le moment tout se passe bien. Pour le moment j'ai envie de dire, on se fait pas encore appeler. Donc voilà, pour moi vraiment par contre c'est de la découverte hein, au niveau de la LSPD 0.4. Donc il y a vraiment beaucoup de changements, beaucoup de différences, beaucoup de... Enfin l'intelligence artificielle elle a vraiment, vraiment changé. Et bah écoutez, on va faire un contrôle sur ce véhicule rouge devant nous. Allez c'est parti. Mettez-vous sur le côté monsieur s'il vous plaît. Alors presse E, Wednesday. Waouh, il y a plein de nouveaux trucs. Alors déjà le véhicule se met sur le côté correctement et ça c'est sympa vous voyez. Parce que ça à l'époque c'était un peu plus compliqué. Alors, attendez, je vais laisser ma manette ici et on va aller s'en approcher. Bonjour monsieur, c'est juste un petit contrôle de routine hein. Police, comment ça va? Hello. Hello. Je vais vous demander vos papiers d'identité s'il vous plaît, que vous les avez sur vous. Berry Wake and Bake. Très bien, je vais demander à la centrale hein, si vous êtes peut-être connu des services de police. Alors, Berry Wake and Bake. Voilà. Alors, licence valide, pas de mandat d'arrêt, très bien. Je vais vérifier le véhicule. Alors il y a une plaque à l'avant, c'est impeccable, on va vérifier. Alors, tac. Ah non, par contre là j'arrive pas à voir. Alors, 86 HNQ251. Très bien. C'est parti. Berry Wake and Bake, c'est bon. Pas de... Ok, donc c'est bien son véhicule, tout se passe bien. Très bien, c'est juste un petit contrôle de routine.
Je vais poser des questions. Est-ce que vous avez quelque chose d'illégal dans votre véhicule? Bien sûr que non, très bien. Bah, je vais pas lui demander s'il a consommé de l'alcool ou pas, parce que... Alors, est-ce que je peux chercher dans votre véhicule? Bien sûr, faites-le. Bon. Est-ce que je peux le faire? Attendez, est-ce que j'ai des plugins qui me le permettent? Non, j'ai pas de plugins qui me le permettent. Je crois pas, hein. Non, je peux pas fouiller le véhicule. Bah, je vais le laisser repartir parce que voilà, c'était juste un petit contrôle de routine. Et le mec, il était clean, donc écoutez, comment je fais? Order out. Bah, j'ai pas le choix de faire issue warning. Mais ça fait genre que je suis en train de l'engueuler. Ouais, je l'ai engueulé, mais le pauvre, il a rien demandé. Bon, on va reprendre la patrouille, les amis, hein. Tout s'est bien passé, voilà, c'était un petit contrôle de routine. Écoutez, on va passer près de la munition là. Parce que voilà, c'est un stand de tir, c'est un magasin d'armes, donc il peut souvent se passer des trucs. Autant checker. Vous voyez, genre ce véhicule là. Qu'est-ce qu'il va faire ce véhicule? Attendez, on va se garer ici, tranquillement. Voilà, c'est un petit épisode reprise à la cool, tranquillement. À tout moment, ça peut partir en cacahuète. Ok, madame, où c'est qu'elle va, madame? Voilà, un petit contrôle tranquillement, on regarde si tout se passe bien. Est-ce que je peux rentrer dans la munition d'ailleurs? Bonne question, je pense pas. Hein. Ah si, je peux rentrer totalement. Salut! Sérieusement, je peux acheter des armes. Je savais pas que je pouvais acheter des armes avec le modèle SPD. Allez, on va se prendre un petit Lost Rock. Je déconne. Bon, ouais, tout se passe bien visiblement. C'est impeccable. Bon, je vais demander à la centrale s'il n'y a pas des interventions parce que on m'appelle pas là. C'est bizarre, hein. Police radio, available for call. Vas-y, on va demander s'il y a un appel pour moi. We have a robbery with a firearm. All available units respond. À Morningwood. Je sais même pas où c'est Morningwood. Ça se passe où? Alors j'ai accepté l'intervention, je vais juste regarder où c'est que c'est. Ah, je crois que ça se passe là. C'est pas du tout mon secteur, hein. C'est pas du tout mon secteur, donc malheureusement je vais pas pouvoir prendre cette intervention, il y aura déjà des collègues qui seront sur place. Hein. Ouais, c'est à 1 km, c'est pas... Ils ont peut-être besoin de renfort, hein, attendez. Hein. Si on m'a appelé, à mon avis, enfin, j'ai demandé un appel, donc à mon avis c'est que vraiment... Allez, vous savez quoi, on va y aller. On va y aller, ça doit être des nouvelles interventions. Allez, c'est pas très loin, on y va les amis. On est des policiers, en plus on a une voiture de sport, hein. Ah, on fait comment là? Poussez-vous. Ah, j'essaie d'être RP et pas monter sur les trottoirs, mais c'est compliqué, hein. Bon allez, c'est parti, on a un véhicule de sport, donc autant en profiter. Autant en profiter. Ok, alors l'intelligence artificielle, oh là là, c'est pas les meilleurs, hein. Ça a pas changé, hein. Allez, attention. Très bien. Ça se passe. Ok, tout se passe bien. Là, je joue à la manette, hein, donc j'ai encore un petit peu du mal. Faut que je reprenne mes marques un peu. Hep. Attention. Alors, on sait pas trop comment vont réagir les gens. Hein. C'est comme dans la vraie vie, ça, par contre, c'est ça ce qui est génial. Allez, on s'arrête. On évite de faire des zigzags inutiles, là. Hein. C'est la police! Décalez-vous! Oh là là! Allez, on y va. J'ai repris le contrôle du clavier. Ok, ça se passe ici. Ok, qu'est-ce qui se passe? Attends, je vais prendre mon arme. Stop! Les mains en l'air! Eh, hey, tu sors du véhicule! Sors du véhicule, les deux mains en évidence! Essaye pas de. Voilà! Couche-toi au sol! Ah bah ça se passe bien! Couche-toi au sol! Voilà! Reste au sol! J'ai besoin de comprendre quelque chose là! Ok, j'ai des collègues, ok c'est bon. Ok, suspect appréhendé, tout s'est bien passé. Putain, y'a des collègues qui sont venus sur place? Code 4. Mais y'a un truc que j'ai pas compris. Qu'est-ce qui. Ok. Il est totalement teubé, hein. Ah, il est confus et désorienté. Oh là là, il a dû consommer. Mais il y a un truc que j'ai pas compris, j'ai visé quelqu'un, il a mis les mains en l'air. Alors je pense que c'est un truc nouveau, attendez, regardez. Hop. Suck my dick. Oh là, c'est violent ce que je viens de dire. Hein. You do not wanna do this. Ah ouais, toi c'est bien fait. Ouais non, c'est juste un test. Excusez-moi madame, hein, c'était juste pour voir. Ok monsieur, je vais vous prendre. Hein. Attention, unit 1, Lincoln, on va partir. We have a code 99. On va partir d'ici parce que... Voilà. Un peu trop dangereux. Ok monsieur, qu'est-ce que c'est que ces conneries alors? On va lui poser des questions, est-ce que vous avez bu? J'ai besoin de boire pour rester concentré. Ah ouais, pour rester concentré sur des vols. Très bien. Écoutez, je vais le fouiller, hein.
Ah non, je me suis trompé. Non, mais hé, j'ai du mal, hein, ça y est, c'est la reprise. Lève-toi, t'es pas demandé de t'asseoir. Je vais te fouiller. Retournez-vous, laissez-vous faire, tout va bien se passer. Voilà, mon véhicule gêne un peu la circulation par contre. Hein. On va voir s'il a rien de... Déjà, on va lui récupérer ce qu'il a volé. Alors, un masque de clown, une caméra de poche et un bâton de police, sans déconner. Voilà, monsieur... Il a le permis d'arme autorisé, il s'appelle Clarence Evergood. Très bien, donc il a le droit d'avoir une arme sur lui. Alors, est-ce qu'il est recherché peut-être par la police? On sait jamais, hein. Clarence Evergood, hein, je crois que c'était. Voilà. Licence valide, pas de mandat d'arrêt. Très bien. Ah si, je peux carrément cherche de véhicule. Si, si, je pouvais fouiller le véhicule tout à l'heure. Là, je voulais fouiller un véhicule, je pouvais le faire. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas perdre plus de temps que ça. On va le prendre et on va l'emmener au poste directement parce qu'il faut qu'on retourne, de toute façon, à notre commissariat. Allez, rentrez dans le véhicule. Parce que là, de toute façon, on n'est pas dans notre zone de patrouille, donc faut qu'on y retourne. Donc autant y aller avec lui. Allez, on va pas déployer d'autres moyens police. Et ah, mais attendez, le véhicule juste... Pop. Le véhicule, on va pas faire plus de... Ah si, si, c'est la procédure, hein. Faut vérifier le véhicule, y a pas le choix. Ah désolé les amis, c'est relou, mais c'est la procédure. Hein. Alors, 85, JRP, 825, j'ai posé des R, hein, j'ai pas fait exprès. Hop, alors Joe Franklin, donc c'est pas son véhicule déjà, hein. Ça commence bien. Ça commence bien. Alors est-ce que je peux request au service? On va prendre large fat bay. Voilà, on va appeler une dépanneuse. Enfin, on va appeler la fourrière quoi. On va attendre, voilà, là voilà, la fourrière arrive. Impeccable, on va pouvoir circuler monsieur s'il vous plaît, je fais comment pour entrer dans ma voiture? Très bien, j'ai compris, on va passer par là. Très bien, très bien. Et ben on est parti du coup, direction notre zone de patrouille tout simplement. On va aller ici à notre commissariat. Bon, j'espère en tout cas que ça vous plaît les amis. On commence tranquillement, un petit braquage. Mais non, mais je sais même pas c'était quoi. Il était pas armé le mec, hein. Il était pas armé, hein, faut le savoir. Je l'ai fouillé, il avait pas d'arme. Il a juste commis un vol, voilà. Je ne sais pas de quelle façon. On n'en sait pas plus, il sera interrogé de toute façon... Bien évidemment, là on l'emmène en garde à vue. Allez, attention, je passe. Voilà. Bon, ça sert à rien que je me mette trop en danger là. Je suis en train de mettre en danger la vie des gens, ça sert à rien que j'aille aussi. Pas de poursuite à feu de sauvegarde. Je peux pas prendre la mission, je suis déjà en mission là. Ok, attention. Voilà, non, décalez-vous s'il vous plaît. Voilà, putain, ils sont dangereux, hein. Ils sont carrément dangereux aussi. Allez, restez sur vos voies. Oh, faites pas des zigzags comme ça. J'ai pas cartonné pour le moment, ça c'est bien. Voilà. Impec, on est bientôt arrivé. Donc on est nouveau dans notre zone de patrouille. Allez, hein, j'ai mangé le trottoir, c'était pas réaliste, c'est pas grave. Les pneus vont bien. C'est des pneus custom, ça tombe bien. Voilà, reste sur le bas-côté, toi. Allez, on l'emmène au poste, ça y est. Impeccable. Alors, faut le mettre où? Faut le mettre là. Hein. Et voilà. Ça, c'est fait. Ok, du coup, les amis, on est reparti. On peut enlever les gyros. On est reparti pour la patrouille. Tranquillement, je vais reprendre la manette. Et on est tipard. Alors écoutez, ce qu'on va faire, on va patrouiller, écoutez, on va aller vers ici là. Parce que c'est plutôt sympa aussi. Et puis un peu plus tard, on patrouillera vers le quartier touristique bah, juste derrière. Hein. Hollywood. Allez, on est parti. On grille un peu les feux. Hein, Ah, on est policier, on se le permet. Hein. Bonjour monsieur, ça va? Tout se passe bien. Attendez, je vais mettre en... Ah merde, le feu est vert. J'avais pas vu. Qu'est-ce qu'il fait? Oula, oula! Qu'est-ce qu'il fait? Il fait des zigzags. Hein. Il a eu une conduite assez bizarre, mais... Est-ce que c'est suffisant pour faire un test? Attendez, on va le suivre. On va le suivre, on va pas le quitter des yeux. Et on va faire attention à ce qu'il va faire. Il a eu un comportement bizarre, mais il a peut-être eu un...
Un petit problème, il a dû éternuer, voilà. Là il met son clignotant, très bien. Il l'a mis mais il l'a enlevé hein. Ah il doit être perdu à mon avis. Il doit être perdu, ça doit être un touriste. Bon, il va à gauche. Oula. Attendez, on va le suivre. On va quand même continuer de le suivre. Sait-on jamais. Sait-on jamais. Ah il colle au cul hein. Il colle au cul, c'est dangereux dans un petit quartier comme ça. Allez, on va le contrôler. Voilà. Mettez-vous sur le bas-côté, bougez pas monsieur. Voilà, il va se mettre un peu plus sur le côté peut-être. Non, je voulais pas faire ça, c'est pas grave. Voilà, qu'est-ce qu'il fait là? Là, je sais pas s'il est arrêté ou pas. Ouais, il doit être arrêté, je vais sortir. Allez, on est parti. Bonjour monsieur, police, comment ça va? Hello. Votre voiture fait des trucs bizarres, hein, si je puis me permettre. Vos papiers d'identité, s'il vous plaît. Mac O'Flagan. Ah, il était bugué à cause de la voiture devant. Ok, je vais demander aux collègues. Hein. Mac O'Flagan. Très bien. Alors, licence expirée. Ah, il a pas le... son permis est expiré. Il conduit sans permis. Ok, on va vérifier le véhicule. Non, c'est pas ça que je vais faire. On va vérifier le véhicule s'il lui appartient bien. 25LQR363. Il conduit sans permis. Hein. Oh là là! C'est un véhicule volé! Il n'appartient pas. Il appartient à Joe Lakeview. Et c'est un véhicule volé. Ok, alors ce qu'on va faire. On va pas lui montrer qu'on a compris quelque chose. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler des collègues. En traffic stop. Ok. On pourrait appeler l'unité canine. Mais il a peut-être pas forcément de drogue. On va juste appeler une patrouille. Ah bah, t'arrives. On appelle juste une patrouille pour appuyer mon backup, mon traffic stop, voilà. Voilà. Impeccable. Tu sais, c'est comme les interventions où on m'appelle pour appuyer un collègue. Ok, donc il arrive. Ah bah, c'est une femme. Bonjour madame. Salut collègue. Voilà, vous inquiétez pas monsieur, hein, on a juste découvert quelque chose sur vous, c'est assez inquiétant. Hey mate, please go ahead, I will back you up. Ok. Bah du coup ce qu'on va faire, je vais vous demander de sortir du véhicule monsieur. Tout le monde va sortir du véhicule. Non, juste le driver. Voilà, sortez du véhicule monsieur. Je vous arrête. Stay there, stay there. Bougez pas, je vous arrête. Je vais vous demander de me suivre, on va se mettre sur le bas côté. Venez, on va se mettre sur le bas côté en toute sécurité. Et là on gêne déjà assez la circulation. Voilà monsieur, arrêtez-vous. Je vous ai demandé vos papiers d'identité. Je vais me permettre de vous fouiller. Retournez-vous, les mains en évidence. Pas de geste brusque s'il vous plaît. Je me permets de vous fouiller. Je fouillerai le véhicule après hein. Ouais, j'aurais pu appeler l'unité canine parce qu'il y avait quand même quelque chose de particulier. Téléphone portable, ouais, tout va bien. Ok monsieur. Je vais vous poser des questions. Qu'est-ce que vous faites? Je suis en train de me relaxer. D'où venez-vous? J'ai le droit de garder le silence. Où c'est que vous allez? Ok, il va à un magasin de... Il va à un magasin. Très bien. Vous êtes au courant, monsieur, que c'est pas votre véhicule et que ce véhicule est recherché? C'est un véhicule disparu, monsieur. Alors, pour des raisons de sécurité, je vais devoir vous menotter, hein. Évidemment, donc je vais devoir vous arrêter, monsieur. Retournez-vous, les mains derrière le dos. Tout ce que vous pourrez dire sera retenu contre vous. Hein. Voilà. Allez, monsieur. Ils sont chiants, les gens au téléphone, là, ça me perturbe. Allez, montez dans le véhicule. Je vous embarque, monsieur. Je vous embarque, vous allez en discuter au poste, hein. Ce sera plus simple. Eh bah, hey, c'est incroyable quand même, j'ai bien fait de l'avoir contrôlé. Vous vous rendez compte? Ce hasard quand même. C'est-à-dire que cette voiture, elle était normale, c'est juste qu'elle roulait bizarrement. Et au final, c'est une voiture volée. Sortez du véhicule vous aussi, pareil. Je vais vous demander vos papiers, s'il vous plaît. Il est confus et désorienté. Bon, il a dû consommer. Hein. Il a dû consommer, mais c'est dans son droit, il conduit pas. Ah, quoique, ils ont pas le droit de consommer. Hein. Jonathan Edwards. Voilà. Thank you.
Licence valide, pas de mandat d'arrêt, impeccable. Bon, écoutez monsieur, vous pouvez prendre la voiture. Bah non, mais non, vous pouvez pas prendre la voiture, elle est pas à vous. Du coup, je vais vous appeler un... Je vais vous appeler un taxi, monsieur. Je vais vous appeler un taxi, monsieur, vous allez devoir rentrer soit à pied, soit en taxi. Mais je peux pas vous laisser la voiture. Voilà, le taxi ici. Et puis pour ce véhicule, par contre, du coup, on va le fouiller. Vous savez quoi? On va le fouiller. Voilà, on va fouiller le véhicule. Impeccable. Alors, oh là 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 là. Alors, du côté du conducteur, on n'a rien trouvé d'intéressant. Du côté du passager, on a Human Skull. Skull, c'est une tête. Une tête d'humain, pardon. Et de la cocaïne, hein, tout un truc rempli de cocaïne. Bon, de toute façon, le mec, il était shooté, hein, le passager. Ok, bon, ça, c'est fait. On va appeler bah, l'assurance du véhicule, tout simplement. On va appeler l'assurance du véhicule pour récupérer la voiture. Et puis, je pense que les propriétaires vont être assez contents. Toi, tu peux partir, toi, hein, madame. Tu peux partir. Merci pour ton soutien. On va dégager la circulation parce que là, il y a tout qui est bloqué. Voilà. Donc, l'assurance prend le véhicule, tout se passe bien. Le taxi a embarqué le passager. Voilà, tout le monde peut partir. On vérifie que tout rentre dans l'ordre. Moi, j'ai mon voleur dans la voiture. Enfin, mon voleur. Ok, bon, là, je crois que c'est bon, là. Ah ouais, il y a un taxi en contresens, what the fuck. Bon, on va laisser gérer les gens. Hein. Ils vont se débrouiller. Ok, du coup... J'enlève le GPS et on va se rendre à la... Bah, notre Comico, tout simplement. Voilà, ça c'était pas RP, hein. J'ai mangé le trottoir. Bon, ça s'est bien passé. C'était vachement sympa, ça n'empêche. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Vraiment par hasard, franchement, si le mec roulait normalement, je l'aurais pas contrôlé. Et donc c'est un véhicule qui a été déclaré volé, quoi. Donc le propriétaire va pouvoir retrouver sa voiture. C'est quand même vachement cool, quoi. Ça, c'est le genre d'opération qui me plaise bien. C'est assez sympa. Ok. J'aimerais faire demi-tour. La circulation est assez dense, hein. C'est assez compliqué. Allez, ça dégage. Voilà. Ça, c'est fait aussi. On va laisser évidemment un collègue s'en occuper. Plutôt content. Bah écoutez les amis, ce qu'on va faire, on va se faire encore une dernière petite intervention, peut-être une dernière petite patrouille. Ce que j'ai dit, on va aller patrouiller du côté de Hollywood, enfin du côté comment on appelle ça, c'est quoi ce côté là enfin même dans la vraie vie, là où il y a le sol avec les artistes, les étoiles et tout là. Ah bah c'est le boulevard Vinewood, de toute façon c'est écrit en bas à gauche. Excusez-moi, j'avais pas vu, j'avais oublié. Donc on va patrouiller par là, tout simplement. On a des belles voitures devant nous, hein. Ça y est, hein. Là on est vraiment dans un beau petit quartier riche. Donc c'est assez sympa de patrouiller par là, enfin dans un quartier riche. Remarque, c'est pas que c'est riche, c'est que c'est touristique, mais... Allez, on est parti. Oh là, la voiture rouge, vous avez vu ce qu'elle a fait? Hep, 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 hep. Alors elle a fait la même, hein, la voiture noire. Oh là! Qu'est-ce qu'il fait lui? Non, non, lui... Hey, il a grillé un feu rouge, il a fait plein de... On s'arrête, monsieur! Poli! Ok, alors lui, on va se le faire. Vous avez vu ce qui s'est passé? Oh! On s'arrête, monsieur! Maintenant, c'est fini! Alors là, j'ai relevé plein d'infractions. Hein. Allez, arrêtez-vous, monsieur! Arrêtez-vous, monsieur! Mettez-vous sur le bas-côté! Oh non, refus d'obtempérer là. Refus d'obtempérer. Refus de se soumettre. Oh, pardon, pardon. Ok, on va démarrer une poursuite du coup, hein. Allez, c'est parti. On a demandé une poursuite. Alors, il faudrait pas qu'il nous fuit, hein, par contre. Allez, on s'arrête là, c'est quoi ça? Pourquoi il se barre comme ça? Ok, je vais demander une patrouille en poursuite. Une simple patrouille pour commencer. Oh là là, c'est terrible. On s'arrête. Mais non, mais c'est dangereux, il cartonne tout le monde. Il cartonne tout le monde. Allez, on s'arrête, monsieur, s'il vous plaît. Coopérez, coopérez, tout va bien se passer. On va devoir employer la manière forte, sinon. Hein. Allez. Sérieusement, il y a des cyclistes en plus. Faites doucement. Oh là là. Oh là 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 là. Arrêtez-vous, s'il vous plaît. On va jamais y arriver.
Bon, on va devoir appeler Ouais, on va demander les herses. Ok, je demande un blocage de route avec des herses. Crevaison de pneus si possible. Allez, est-ce que ça va marcher? Ouais. C'est bon. Il s'est fait crever les pneus. Ah, il va pas tarder là. Allez, on s'arrête, monsieur, vous pouvez plus rien faire. Allez, c'est dangereux là, arrêtez-vous. Oh là là, ça part en cacahuète. On a quitté notre zone de... Oh, il s'est viandé, demi-tour. Il a pris le chantier, Ok, bon, on a deux unités avec nous, on a les shérifs aussi du coup parce qu'on n'est plus dans notre zone. Oh là là, je suis en train d'abîmer ma voiture. Oh là là, ils l'ont bloqué. Ah non, il a continué. Eh, mes collègues, ils m'ont retourné par contre. Attendez, on va tenter un truc. On va essayer de le bloquer à revers. Oh là là, je suis pas du tout dans ma zone. Dans ma zone de. De patrouille. Putain, on est dans un chantier, s'il te plaît. Oh mon dieu. Oh là là, le bordel. On va le bloquer là, il va être bloqué là. Oh là là, oh là là. Oh, quelle erreur ce que je viens de faire. Il est là. Bon, eh, foutu pour foutu. Mon véhicule, il va aller à la casse. Hein. Allez, on s'arrête, monsieur. Stop, on s'arrête maintenant, c'est fini. Oh là là. Il s'arrêtera jamais. Il s'est retourné. Arrête de me rentrer dedans, collègue. Oh là là. On l'a pas bloqué, il va se rebarrer. Attendez, dans ma logique, il va tourner à gauche. Attendez, on va le bloquer, là. Je vais lui faire un barrage, Je vais essayer d'avoir confiance en mes collègues. Il revient. Ah non, mais... Non! Je me suis foiré. Non, il s'est... On l'a perdu de vue, mais il est là. On l'a perdu de vue, mais je sais qu'il est là. Il va être à droite, regardez. Il va être là. Il est où? Oh non, on l'a perdu de vue, là, les mecs. T'en déconnes, on l'a perdu de vue. Il a roulé comme un malade, mais il est là. Hein. Il est là! Ah non, ils l'ont retrouvé, ok. Ils l'ont retrouvé. Oh là là, il reprend la route, mais non, mais sans déconner. C'est un danger, il va prendre l'autoroute. Ah, c'est bon, il a cartonné. Allez. De toute façon, ma voiture, elle est foutue, alors. Allez, stop. On s'arrête, monsieur. Autorisation de donner... Oh non, il y a une attaque de gang, mais c'est une blague. On peut rien faire contre eux, par contre, là. Non, mais là, c'est bon, ils l'ont arrêté. Ils ont arrêté le mec. Il faut que je m'occupe d'eux, par contre, parce qu'ils ont pas le droit de faire ça. On va se faire défoncer. Ok, j'appelle vite une unité là, c'est la merde. Venez vite, code 2. Je suis dans le caca. Je suis pris à partie. Mais non. Sans déconner, je suis pris à partie par un tireur, vite. Tireur isolé. Allez, j'attends les collègues, ils arrivent. Ils sont là. Venez m'aider. C'est bon, les collègues sont là. Ok, il est où? Arrêtez-vous, police! Ok. Arrêtez-vous! Les deux mains en l'air! Ah bah, je crois qu'il est HS. C'est bon, je récupère son arme. Ok, ça c'est fait. Putain, mais c'est parti en cacahuète! Est-ce que les lieux sont sécurisés là? Quoi? Il est en train de se barrer? Salut, bonjour. Ok, donc là on a le suspect qui est toujours en... Et il est en train de revenir sur ma zone en plus. Hein. Bon. Ce qu'on va faire, c'est que je vais appeler... Bah non, je peux pas appeler. Comment je fais pour appeler les coroners? Ah! On va vite appeler les coroners. Et je laisse ma collègue m'occuper, ok? Moi, je vais retourner sur mon intervention. J'ai pas le choix, faut que je retourne sur mon intervention. De toute façon, c'est dans ma zone. Mon véhicule, il est pété. Je vais laisser ma collègue s'en occuper et tout, mais oh là là, mon véhicule il est pété. Heureusement que j'ai encore du coup mes collègues qui sont sur l'intervention. Par contre, c'est vraiment bien fait, alors si je puis me permettre, vraiment
Ben, LSPD FR 0.4, genre ça a vraiment été bien fait. Vous avez vu, j'ai vraiment pu choisir comment, comment faire quoi. Je voulais que les autres restent sur la poursuite et puis j'avais besoin d'une, d'un appui pour l'autre qui m'a pris à partie. Donc c'est vachement cool. Allez, c'est parti, on y retourne. Mon véhicule est déglingué. Je sais pas où ils sont. Hein. Ah, je les vois sur le radar, ok. Je les rattrape là. Allez, on y va, on y va. Oh là, il fait quoi lui? On les rattrape, on les rattrape. Ça y est, on les rattrape, on les rattrape. Putain, c'est chaud, hein. Bon, allez, je rappelle... non, je vais pas rappeler une unité. Faut savoir que dans la vraie vie, ça coûte cher hein, de demander plus de moyens. Donc faut se contenter. Faut se contenter de ce qu'on a. Ok, ils sont devant. Il s'est toujours pas arrêté, hein. Allez, stop. C'est fini, on va devoir vous abattre, monsieur, hein. Stop! Sortez du véhicule! Oh là là! Regardez mon véhicule. Regardez l'état de mon véhicule. Incroyable. Allez! Sans déconner! Stop! Oh ouais, la tête à queue, bien joué! On sort du véhicule maintenant! Sortez du véhicule! Sortez du véhicule, les deux mains en évidence! Les deux mains en évidence, tu te mets au sol, pas de geste brusque, c'est fini, voilà, rentre dans ta voiture, t'as raison. Voilà, reste caché sous ta voiture. Allez. Putain. Il était temps. Allez, on va pas perdre plus de temps, monsieur. Non. On va pas perdre plus de temps, j'ai dit. Voilà. Sans déconner. Tu restes... Eh, monsieur, tu te mets à genoux direct. Tu te mets à genoux. Tu bouges pas. Ok, on va vite dégager... on va vite dégager la circulation. Oh là là. Bon, tout ça c'est bon pour la casse hein. Tout ça c'est bon pour la casse. Bon, cette voiture là elle dérange pas hein. Ok. Qu'est-ce qu'il fait lui? Eh hey, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Eh hey, stop. Attends, j'attends le fly. Tu fais quoi les... Tu ressors du véhicule, les deux mains en évidence, toi aussi. T'as cru c'était ta voiture? Eh hey, tu t'arrêtes. Toi aussi tu te mets au sol, mais t'as cru quoi toi? Sans déconner hey. Reste couché au sol, reste couché au sol. Je vais demander une patrouille en plus. Sans déconner, mais alors lui aussi il est bon ouais. Eh, ils sont tous fous ici hein. Sans déconner hein. Sans déconner. Alors toi je vais t'appeler direct un... Je vais t'appeler direct un prisonnier transport. On va s'occuper de toi, illico presto. Bon, ce véhicule on va le fouiller. Parce qu'à mon avis il a quelque chose à se reprocher. Vu toute la poursuite qu'il a fait. Oh, il avait un grand sac rempli d'argent. Oula, à mon avis, il a fait un cambriolage ou quoi? Un braquage? Il a fait quoi? Je sais pas. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Ouais, on va appeler... De toute façon, elle est bonne pour la casse. Hein. Y a plus rien à faire. De toute façon, elle est bonne pour la casse. Donc, même si c'est un véhicule volé... Ok, bon, et monsieur, là. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Relevez-vous. Relevez-vous. Retournez-vous. Voilà, bougez pas. Pas de panique. Ok, le véhicule s'est fait emmener par la fourrière. Enfin, par la casse, quoi. Ok, il avait rien d'incroyable. Il s'appelle Johnny Hill. Est-ce qu'il est recherché par la police? Eh, on va faire un débrief de ce qui vient de se passer. C'est quand même incroyable. Hein. Johnny Hill. Ah, c'est vrai qu'il était à Vinewood Hill. No result found for this query. Oula, est-ce que ça voudrait dire qu'il n'est pas déclaré à l'État? Est-ce que ça, il a peut-être pas de... c'est peut-être des faux papiers qu'il a du coup. Vous voyez ce que je veux dire? Intéressant. Bon, on va pas perdre plus de temps. Je vais appeler un prisonnier de transport. De toute façon, avec mon véhicule, je peux rien faire. Je peux plus... Je peux plus patrouiller avec ce véhicule les amis hein, c'est fini hein. De toute façon on va s'en arrêter d'ailleurs pour cet épisode. Alors pour débriefer, c'est incroyable. À la base on était en train de patrouiller donc vers Vinewood au boulevard quoi. Il y a une voiture rouge qui a grillé un feu enfin non, il a pas grillé un feu. Il a pris la voie de gauche et il est allé tout droit. Donc je voulais l'arrêter. Et au final ce conducteur était derrière lui en train de rouler à fond la caisse. Il a grillé plein de feux rouges. Il a percuté plein de véhicules. Il a eu une conduite très dangereuse. Et pareil, hein, il était sur la voie de gauche, il allait tout droit. Enfin bref, il a fait
Et puis refus d'obtempérer, enfin, est incroyable mec hein. Incroyable. J'espère que cet épisode vous aura plu les amis. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher votre plus grand pouce bleu à m'encourager. On se retrouve pour le prochain épisode. Donc peut-être dans 2 jours, peut-être dans 1 mois, peut-être la semaine prochaine. Ça dépend, c'est à ma guise. C'est ça ce qui est plutôt sympa maintenant. Voilà, je fais un petit peu. Voilà, c'est des vidéos détentes, hein, LSPDFR, donc c'est plutôt sympa. J'espère que ça vous aura plu. Rendez-vous pour prochaine vidéo. C'était Mkolo. Ciao tout le monde.